tous, j'espère que vous allez bien. Et bien, je vous reviens aujourd'hui pour un haul action. Bien sûr, il y aura le haul nose qui va suivre, comme d'habitude. En fait, c'est celui de Mazami que je vais vous présenter. Donc sans plus tarder, je vais. Enfin, s'il y aura un petit peu aussi de Castres, parce que il y avait tellement peu de choses que du coup j'ai regroupé les deux. Mais bon, vous pouvez très bien le trouver aussi à Mazamé ou à Castres, je pense. C'est pas. Et il y aura une petite chose que j'avais, mais alors complètement oubliée de vous présenter. C'était au moment où. C'était à. En promo. C'était les fameuses housses de couette. Mon mari l'avait ouvert et l'avait mis au lit. Et du coup, j'avais complètement zappé. Il me l'avait mis de côté, ça. Mais donc, c'est les fameuses housses de couette. Enfin, là, c'était 200 par 200 avec les deux T2 rillés qui vont avec. Donc, voilà, il y avait le Smile, il y avait le Hello. Il y avait une différente gamme. Donc là, à l'époque, enfin au moment où ils étaient en promo, ils étaient à 9,95 €. Maintenant, je pense qu'ils doivent être dans les 13 €, quelque chose comme ça. Mais alors, je peux vous dire que donc c'est du coton. Et on y est très, très bien dedans. En ce moment, on l'a à notre lit. Et alors, c'est blanc. C'est un peu salissant, évidemment. Le chat, il monte dessus avec les pattes mouillées, des fois, avec la rosée du matin. J'ai envie de le défoncer. Mais bon. Donc, il est vraiment, elle est vraiment très, très bien. N'hésitez pas. Si, voilà, si vous hésitiez à l'acheter, je vous la conseille. Et il y a aussi un 200... Enfin, une plus grande pour la couette ou plus petit à une personne, il me semble aussi. Voilà, voilà. Hop, on fout ça en l'air. Ensuite, ça va être en vrac, en vrac, en vrac. Alors là, je vais vous en présenter qu'un parce que j'ai déjà utilisé le deuxième. Ce sont les brassières comme ceci de sport. Parce que j'ai quand même une forte poitrine. Et ben, je trouve que la nuit, voilà, j'aime pas garder le soutien-gorge parce que je suis pas à l'aise. Mais je trouve que c'est pas mal quand il fait chaud de garder juste voilà, une petite brassière. Ou même pour faire du sport, du coup. Du coup, je m'en suis pris deux. Donc, une noire et l'autre, elle est blanche. Elles sont géniales. La matière, alors la matière, c'est quoi 92% polyamide et 8% élastane. Et je peux vous dire que vraiment, elles sont confortables. Ouais, peut-être un poil prononcé. J'en ai qui sont plus hautes. Donc du coup, voilà. Quand on bouge, elles ont le maintien est bien. Mais dans le lit, oups, ça a tendance à... Parce que c'est un peu trop... échancré, on va dire. Voilà. Après, c'est comme ceci derrière, donc ça maintient bien la poitrine. Pour le dos, c'est très bien. Et ça, c'est vrai que j'en recherchais aussi, parce que vous savez, mon mal de dos. Donc, du coup, j'essaye, voilà, de faire un maximum attention. Ils sont, hein, il me semble, aux alentours 3,99 €, 4 €, quelque chose comme ça. Donc, j'ai pris en taille L, il y a S et M, je pense que peut-être XL, je ne suis pas certaine. Je vais rester dans le rayon vêtements. J'étais en train de regarder. Regardez-moi ces beautés. Je les ai reçues il n'y a pas longtemps. AliExpress, bien évidemment. Dommage qu'elles ne soient que dans cette couleur. Sinon, je pense que j'aurais pris toutes les couleurs. Elles sont magnifiques. Passons. Je vous les représenterai dans un haul. Mais voilà. Vu que je l'ai porté là. Donc, j'ai pris pour ma pépette. Bien sûr, en 2-3 ans, 92-98. Le reste de la gamme, je ne l'avais pas trouvé au moment, enfin l'autre fois. Donc du coup, je l'ai enfin retrouvé. Donc je vais lui faire la gamme. Elle adore les princesses, je vais lui faire plaisir. Et donc c'est du 3,99 € là aussi, je pense. Je ne sais plus. Ouais, dans ces eaux-là. Je le trouve pas. Voilà, bref, c'est dans ces eaux. Ensuite, je sais pas où le mettre. J'ai trouvé
rayon jardinerie, donc j'avais pris les bleus. Et là, je vous présente donc les argentés. Il y en a deux, donc. Et j'ai payé ceci 99 centimes. Donc, hein, on n'hésite pas dans ces cas-là. J'ai repris une boîte. Oui, il n'y en a qu'une, oui. À 1,55 €. Ça, je connais le prix à force. J'en prends tellement que. Mais bon, ça marche très bien dans ma pièce. Et je trouve pas les moyennes. C'est pénible, en fait. Voilà. J'ai repris à 2,49 €, je pense. 2,99 €. €2,99, c'est ça. L'organiseur de make-up, enfin de rouge à lèvres et tout ça. Parce que ben, à force d'en acheter, ben, j'ai plus de place. Il faut bien que je la rachète. Ensuite, pour ma pépette, pour le bain, même pour quand je voilà la piscine dehors. J'ai trouvé un petit set Beach Set marque, Summer Beach Set. Il y en a 5. Donc c'est un genre de comme de petit moulin. Vous mettez l'eau là-dedans et après ça fait tourner les petites roues là. Il y a une pelle, un râteau et un crocodile. Voilà. Et j'ai payé ceci. Ouais. 1,91 €. Ça va, franchement. Hein. Pour cet été. Pour ma pépette encore. C'est nouveau, je ne l'avais pas vu. C'est mes premiers mots. Donc, je vous montre un petit peu. Par exemple, vous avez la chambre. Et donc, vous avez les chaussons, la table de nuit. Alors, je précise qu'il y en a qui sont en gris. C'est parce qu'en fait, il y a les autocollants qui iront avec. Mais ça, je pense que je le lui ferai parce que voilà, je lui ferai peut-être deviner. Ensuite, je les mettrai parce que ça, elle va pas savoir le faire. Mais j'ai vraiment trouvé ça super mignon. Voilà, 190 autocollants. Il y a vraiment de tout. Là, vous voyez, il y a la salle de bain. Il y a la ferme. Enfin bon, bref. Et j'ai payé ça. Ouais. Quand tu veux. Eh bien. Oh. Ah si. 1,79 €. Je crois qu'il me l'avait pas compté, quoi. Ça m'a pas dérangé, mais enfin. Ensuite, une petite casquette de la Reine des Neiges en rose. Alors là, c'était taille unique, il me semble bien. Mais bon, quand même. Oh putain. Désolée, il y avait une araignée et alors c'est ma phobie. Vous avez eu de la chance que j'ai pas hurlé. Désolée. Je reviens à mes moutons, donc du coup, putain, pardon. Ça m'a. J'ai payé ceci 1,99 €. Et il y avait différentes variantes, il me semble. Il n'y avait pas que la Reine des Neiges, ou c'était peut-être pas la même couleur. Enfin bref. Voilà, je me remets difficilement là. Elle a failli me monter dessus, quoi. Ouh là là. Ensuite, en ce moment, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup pâte à modeler. Comme vous avez pu le voir sur Facebook et tout ça. Voilà, j'essaye de faire de la pâte à modeler. Et du coup, j'en ai acheté à Action. Donc, celui-ci était à 69 centimes. Voilà. Donc, c'est un petit œuf où il y a donc des petites. Là, vous le voyez, les petites barres de pâte à modeler. Et ensuite, alors attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir. Pas gagné, mais. Parce que oui, là, l'entrée. Où est l'entrée? Donc, j'ai réussi à l'ouvrir. Alors, ça se présente. Il y a un petit couteau avec des trous. Voilà. Donc, tout en plastique, évidemment. Vous avez un petit rond.
Vous avez, oh, tout mignon, une petite maison. Voilà. C'est quoi ça? Ah oui. Un ours. Un petit bonhomme. Non, franchement, pour 69 centimes, tu sais quoi, ma chérie Fashion Barbie, je te le conseille pour tes élèves. Franchement, c'est nickel. Hein. Une petite étoile. Surtout pour le prix. Hein. Et ensuite, il y a un truc comme ça, je sais pas si c'est pour faire. Alors, avec des étoiles. Et là, ce sont des petits triangles et un rond. Alors, attendez, parce que. Il y en a encore, mais ils sont sur le côté. Oh, elle pue par contre. Pouf. Celle que j'ai là en ce moment, elle sent bon. Mais alors celle-là, bah. Bon, après, ça n'a pas à modeler. Hein. Ça sent pas non plus. Il y a un petit cœur. Une voiture. Non, franchement, bon, c'est petit, mais. Et une petite fleur. Non, franchement, bon, je rangerai ça après. Vraiment contente. Et ensuite, donc, j'ai acheté des kits de modeling. Où il y a 8 pièces. Donc il y a celui-ci que j'ai payé mais 99 centimes. Là aussi 99 centimes. Donc là aussi, alors je vais l'ouvrir avec vous. Donc apparemment il y a trois pâtes à modeler, le même kit là de couteau et tout ça, et pour faire la tortue et le mouton, sans doute. Hein. Vous ouvrir ça. Voilà. Oui. Donc, vous avez pour le mouton. Donc, 3. Voilà. La tortue. Et les petits ustensiles. Donc j'ai dit 99 centimes, hein, franchement. Je vais pas vous ouvrir les autres. Je vais juste vous les montrer comme ça. Il y avait celui-ci. Avec éléphant et girafe. Ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a dauphin. Alors ça, en fait, c'est pour faire des traces sur la pâte à modeler. Voilà. Donc, il y a ceci. Donc, pour 99 centimes. Et il y en avait d'autres modèles, mais j'ai pas tout pris. J'ai dit, voilà, au fur et à mesure, je le compléterai, mais... Du coup, il va falloir que j'achète une boîte aussi pour pouvoir lui ranger tous ces petits outils, quoi. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, on va finir donc avec les petits charmes que tout le monde parle, que j'ai enfin trouvé, qui sont juste magnifiques. Et ben, mon mari m'a donné une idée, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire des... Il me dit, ah, tu préfères des petits bracelets tressés et tout, avec les charmes et tout. Donc je vais peut-être me lancer dans ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous, voilà, ça vous intéresserait de voir le résultat de mes petits bracelets. Et voilà, donc, mais ouais, des petits bracelets, je pense que je vais me lancer dans ça pour l'été, c'est super mignon, et voilà. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse de voir, mais je vais vous présenter quand même. Alors, il y a ceux-là, je pense que c'est mes préférés, ils sont trop trop beaux, avec la clé en forme de cœur, là, elle est juste magnifique, le love, celui-là, je l'ai pris qu'une fois, mais franchement, je vais le reprendre. Et ils sont à 85 centimes. Donc il y a ceux-là. Il y a ceux-là aussi. Que mon mari veut que je lui fasse avec la plume là. Voilà, il y a le hibou. Franchement, ils sont beaux. Il y a celui-ci avec la bicyclette, la petite lame tempête et tout. Elle est magnifique. Oh, elle est trop trop belle. Voilà. Celle-ci avec le papillon, la rose, le cadre, le pompon et tout, super mignon. Non, franchement, je sens quoi, ouais, je peux faire des petits trucs sympas, toches, avec ça. Ensuite, l'esprit marin, là. Ça, c'est sympa, justement. Dans les teintes, faire tresser avec juste du bleu et du blanc. J'y vais, voilà. Et ensuite, celui-là aussi, là, avec l'arc et la flèche.
Voilà, il est juste magnifique. Donc je pense que dès que j'en retrouve, je vais m'en racheter, voilà, pour pouvoir faire des petits bracelets. Ou même peut-être avoir, essayer de le faire en chaîne de cheville aussi, ça peut être super sympa. Dites-moi en commentaire, comme je vous dis, si ça vous intéresse les bracelets, si voilà, si vous pensez que ça peut être bien aussi en chaîne de cheville. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, ou même en collier, pourquoi pas. Ah, ou même, je suis en train de calculer, essayer de faire des headbands. Ah ouais, ça peut être sympa. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Les idées que j'ai. Bah, écoutez, ce haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager cette vidéo, bien sûr, si elle vous a plu. À vous abonner pour ceux et celles qui ne le seraient pas encore. C'est avec plaisir que je vous appelle. Que je vous accueille dans ma famille YouTube. Je remercie encore une fois, je ne le dirai jamais assez. Merci, 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 merci énormément à tous mes abonnés de votre, voilà, de votre fidélité, votre confiance, de vos visionnages, vos commentaires. Une fois de plus, je vous dis, n'hésitez pas à venir me parler, à m'écrire par lettre postale, par email, ce que vous voulez, c'est avec plaisir. Je fais cette chaîne pour aussi pouvoir communiquer voilà, avec les gens qui me suivent, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais plein de gros gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!